Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir pour Marseille malgré leur élimination en tour préliminaire de Ligue des Champions? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Olympique de Marseille. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, peut-on avoir de l'espoir pour Marseille malgré leur élimination en tour préliminaire de Ligue des Champions? Pour moi, oui. J'ai quand même vu de très belles choses, notamment offensivement. Le problème de Marseille, les amis, leur problème, c'est le mental. Beaucoup critiquent Marseille en disant que non, ils ont raté leur match aller. Certes, ils ont raté leur match aller, mais au match retour, ils étaient à une minute de se qualifier. Il fallait juste gérer le match. Il fallait juste gérer le match. Ils ne l'ont pas fait. Donc pour moi, c'est plus un problème mental qu'un problème technique, tu vois. Donc en termes de qualité, pour moi, ils peuvent vraiment titiller le PSG. Surtout que le PSG est en train de se niveler. Le PSG, ce n'est plus trop la grosse équipe avec les Neymar, Messi. C'est plus une équipe homogène. Je pense que Marseille a vraiment un coup à jouer. Marseille a un coup à jouer. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Marseille a un coup à jouer? Peut-il le PSG cette saison? Donne-moi ton ressenti. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.